J'ai fait la remarque en première mi-temps. On a l'impression que vous attendez, là, le dernier quart d'heure, pour sortir et montrer qu'en fait, vous avez complètement les capacités et aptitudes, occasion pour revenir. Ouais, je pense que vous avez bien résumé la situation. Mais je dirais même que c'est plutôt en première mi-temps. On a été beaucoup trop timorés. Je pense que c'est sur la première mi-temps qu'on perd le match. Parce que voilà, on n'a pas réussi à mettre notre jeu en place. Je sais pas, peut-être... une pression qui vient je sais pas d'où, mais voilà, on n'a pas réussi à développer notre jeu. On a été trop timide. Après, en deuxième mi-temps, bon, on était mené, forcément, on s'est découvert. On a essayé de faire des enchaînements. Je pense qu'on a quand même fait une bonne deuxième mi-temps. Malheureusement, il nous a manqué l'efficacité. Et voilà, ça ne pardonne pas. Parce que c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez la tête de Viscarando qui passe juste au-dessus. Vous avez deux fois des 1 contre 1, même si Rémi Vercoute était au sommet de son art. Mais ces occasions sont là, en plus. Ouais, tout à fait. Bah, Vercoutre a fait un super match. Après, voilà, comme vous l'avez dit, c'est à nous de mettre les occasions, de tuer le match. Et on ne le fait pas. C'est notre problème depuis quelques semaines. On a les occasions, on n'arrive pas à les mettre au fond. Voilà, il va falloir bosser, il va falloir se remettre en question. C'est dommage parce qu'il y a du contenu qui est pas mal. Mais voilà, on est encore frustrés. Ça fait une défaite de plus. Il va falloir se remettre.